Je compte sur toi. Ça pue pas. Ok. Allez. Joël est réveillé. On a repéré les infectés au nord. Et elle a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais, ils n'ont pas mis beaucoup de dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah, pourquoi? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter de... d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementé. Salut. Hé. J'ai envie de dire qu'il y avait quelque chose entre elles. C'est merde, elle arrive. Salut, Jesse. Oh, salut. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Très bien. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé, alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria... Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey Dina, c'est l'heure. Deux secondes, j'arrive. Ouais, c'est ça, va te planquer. Va te planquer. Aïe. Ta gueule. Ce gamin. Ah, t'aimes ça? Oh. Allez, tiens. Dans ta face. Oh, prends ça. Mais quel lancer magnifique! Oh non! Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non! Sur elle! Vous n'allez pas vous en tirer! Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Ellie! Arrête! Allez, pas tout ça, mais on a du travail. Oh. Du vent. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh,
C'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ça, c'est un bon cheval. Viens, c'est par là. La vache, ça grille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, je peux pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Et on va vers le sud. C'est joli. Et si on continuait? On pourrait filer jusqu'au Mexique. Je l'ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais. Quelque chose m'a dit, c'est pas aussi joli. Ouais, t'as sûrement raison. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Oui. Arrête, c'est possible. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Et elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen, faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les... Ok. Il peut pas être loin. Ah!
Allez bien. Par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque? Jessie? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... Il y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Tu peux attacher Payette ici. Hé. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Cette patrouille avec qui avant? Jessie? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh, ouais. En plus, il m'a appris à recadrer des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Par ici. Signe le registre. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes Elles sont...
sont propres. C'est une patrouille. On est là pour buter les infectés, pas pour un défilé. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Dina, vas-y. Coureur. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Merci. Là. Tu vois ? Bon, on a pu trouver comment y aller. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secouée. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant un peu. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. J'y suis. Hé, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, oh, c'est mignon. Ah!
Dina, tu peux m'aider. J'arrive. Tiens, merci. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Quoi, tout ça? Huh. Ouais, c'est bien la planque de gêne. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. Aide-moi.
cachet en bas. C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. Yeah!
Par ici, vite! J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Tout va bien ? Oui, oui. Descends, s'il te plaît.